Bien, prends le temps de couper bien une bande, comme ça. On vient fermer nos outils, comme ça. Du jaune d'œuf. Allez. Et on vient bien l'étaler sur toute la bande. Et on la pose sur la table de travail. Ricotta au parmesan, comme ça, sur toute la superficie. Et après, je viens poser des cubes de parmesan. Moi, j'utilise du parmesan, mais vous pouvez utiliser n'importe quel fromage. Toutes à la même distance, un avec l'autre. Et on vient prendre la pâte, comme ça, délicatement. On vient la refermer sur elle-même. On fait ça assez délicatement par toute la longueur. En même temps, on appuie un petit peu. Voilà, comme ça. Tac. Je récupère des baguettes et je viens fermer ma farce comme des petits raviolis. Comme ça. Et après, on vient le rouler sur eux-mêmes. On vient faire un grand fleur, une grande spirale qui va partir en cuisson. Notre bouillon, entre temps, il a bien cuit et on vient l'insérer à l'intérieur. Voilà, on le laisse dans l'assiette où il y a ses serres. On vient récupérer la poitrine fumée. Je viens lever le couvercle de ma poitrine que j'ai bien fumée. Je récupère mon joli morceau et voilà, je viens couper une tranche d'environ 1,5 cm. Voilà, on coupe bien, on vient fermer avec l'aide d'un pic et on vient le poser sur la poêle et on pose dessus un petit pois. Dès qu'on voit qu'il a pris de la couleur, on soulève. On flip et on recouvre. Une fois qu'il est bien snacké, je viens le faire glisser sur mon assiette et je pars. Et voilà, on continue, on va vers le dressage. Je vais récupérer mon ravioli. Je viens le poser dans l'assiette délicatement. On vient ajouter au centre un jaune d'œuf. Prendre le bouillon qui entre-temps, il a bien réduit. Et on vient le poser sur nos raviolis. On vient poser sur les jaunes d'œufs, comme ça il va prendre la couleur et un peu se cuire en même temps. Notre roulade de bacon, on vient du persil. Je fais un peu de persil et en même temps j'ai pris des morceaux de parmesan. Je les ai passés au micro-ondes 20 secondes. Ça fait des petites chips. Un petit peu de poivre. Et voilà. Bonne dégustation.